Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette deuxième partie du mode franchise avec les Bruins de Boston. Et je viens de voir à droite que les Flames ont gagné 11-2 contre les Oilers. J'ai hâte de voir qui a fait tous ces points-là. Non, c'est sûr. Bon, les Flames, 11-2, 4 points, Troy Brower, qui d'autre? Et notre ancien joueur des Bruins de Boston, Dougie Hamilton. Pourquoi ils n'ont pas pu juste le garder? Non, ça vous tente. Mais non, fallait l'échanger. Fallait l'échanger. Donc, dans cette deuxième émission, on va commencer par la saison. La saison qui est à nos portes. On commence par les finalistes des gagnants de la Coupe Stanley. Puis là, je pense que j'avais oublié de mettre PA Parenteau dans le line-up. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Qui va écoper? Moi, je pense que ça va être Bjorg, mais c'est un joueur. Parenteau. Ah, il doit être en bas. Il doit être dans les ligues mineures. Ben, pas il doit. Il va être dans les ligues mineures. Puis j'aurais clairement pu aller plus rapidement que sortir du menu, aller dans composition. Ah, il va falloir que je m'habitue un peu au menu NHL. Bon, PA, PA, je te montre. T'inquiète-toi. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Tu commenceras pas en bas. Ça, c'est sûr et certain. Non, 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 non. T'es en haut. T'es un fabricant de jeu. Oui, ça fait 3 fois que je fais la même chose puis que je rate. Fac. Troisième trio, déjà là, amélioré. Backes, DeBrusk, puis PA Parenteau. C'est ici que j'aimerais m'améliorer un peu. Encore une fois, si ça va vraiment atrocement la saison. Je pense que, y a un petit move qui pourrait arriver. Parce que non, Matt Beleski sur le deuxième trio, c'est clairement pas un joueur de deuxième trio. Moi, je pense que PA Parenteau pourrait faire une meilleure job que toi. Mais là, mettre 3 fabricants de jeux sur le même trio, c'est pas winner. C'est pas winner-winner. Là, la dernière fois, j'ai oublié de changer mes trios en bas. Lui, je prononcerai jamais son nom. Fuck off. Ben trop compliqué. Bon, qui joue pas, qui a un bon potentiel? C'est toujours qu'est-ce que je me demande. Bon, Agostino joue pas. Ben non, premièrement, on va faire meilleure ligne. Puis on a Josh Hennessy. Puis si je me rappelle bien, c'était pas l'ancien capitaine des remparts, ça. Voilà un méchant bout. Un méchant bout, mais ça l'a déjà été. Tout va jouer. Tout va clairement jouer. Parce que oui. Pourquoi je suis rendu à cette face-là? Parce que t'es quand même bas, attaquant top 6, fait que tu peux peut-être te développer en quelque chose de potable. Peut-être un joueur de troisième trio gros max, mais je vais le prendre, si ça l'arrive. Fait que oui, tu vas jouer. Par la suite, à gauche, toi, t'es-tu bon? Pas très bon. Toi, t'es-tu bon? Non. À gauche, on a rien pour mettre. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, toi c'est clair que tu vas jouer. Non, toi c'est clair que tu vas jouer parce que je t'ai déjà vu monter quand même pas pire en général. Par la suite, attaquant top 6. Inférieur. Ok, bon, inférieur, ça sert à rien. Inférieur, ça sert à rien. Top 6, top 6, top 6. On n'a pas grand joueur qui ont du potentiel, fait qu'on va laisser ça comme ça. Malgré que j'ai le goût de te monter là, toi, pis toi, comme ça. Fait comme ça, il va jouer avec un fabricant de jeu du nom de Josh Hennessy. Fait que ça peut juste l'aider. Puis même là. Tain. Tu veux du temps de jeu, mon gars? Tu vas en avoir. Il va avoir du temps de jeu. Il mérite. Regarde. Il jouait pas de 5 secondes, puis là, il est rendu sur le premier trio. Let's go. Par la suite, défenseur. On a-tu des jeunes défenseurs qui peuvent donner quelque chose? Non, pas toi, en tout cas. Nous Boril, bien sûr. Boril, tu vas jouer. Par la suite, toi. Toi, t'es qui? Toi, tu joueras pas. Jérémy Lauzon. Défenseur top 6. Tu vas jouer. Peut-être quelque chose en dedans que toi. Par la suite, toi, tu vas aller là. Bonsoir. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, t'es gauche, 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 droite. Toi, t'es droitier. Toi, t'es gaucher. Bon. C'est sûr qu'elle a une barre à avoir 2 gauchers. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Par la suite, gardien de but, on n'a pas grand-chose, ils sont tous à chier. J'ai oublié d'aller voir des joueurs libres s'il n'y avait pas des jeunes avec du potentiel. Ce qui m'étonnerait. Mais on peut toujours aller vérifier, au cas où.
Ah, une bonne petite gorgée d'eau. Quand on parle beaucoup, ça fait mal à la gorge. Joueur libre, Fedor Tiutin. Il est encore là. Et pour une raison. Quelqu'un, 25, 23. 23 ans. Ça vaut-tu la peine d'aller le chercher? Bof, 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 bof. Ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Puis Goaler. Les gardiens de but, Godla. On va chercher Godla parce que. Anyway, c'est pas comme si on avait des bons gardiens de but. Fait que s'il peut se développer en quelque chose de pas pire, genre gardien de ligue américaine numéro 1 pendant 25 ans, je vais le prendre. Je vais le prendre. Par la suite. Mais là, dans le fond, je pense qu'on est rendu à la saison. Ouais, je pense qu'on est rendu à simuler. Puis là, c'est quand tu veux. Tu peux te changer pour la ligne. Merci, éventuellement. Il a réussi. Fait que, ouais. On va commencer par le premier mois. On va y aller mois par mois. Puis comme je dis, si je suis pas satisfait, il va y avoir des échanges. On commence avec une belle défaite. Let's go. Et Godla va signer. Il va être deuxième gardien en bas. On va aller faire ça tout de suite. Je sais que c'est un peu inutile parce que c'est un gardien de ligue américaine. Puis qu'il a peut-être un potentiel de quelque chose. Mais pareil. Fait que je disais que Beleski ça allait pas bien sa deuxième ligne. Et voilà, il a marqué notre seul but. Fait que ça va encore moins bien que prévu. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il pense qu'on est des prétendants. Pas sûr. Donc, gardien de but dans la ligue américaine. Oh shit, j'avais pas vu ça. 42 général. Ouais. Ouais. Lâche pas, mon boy. Lâche pas. Pourquoi ils n'ont pas protégé Malcolm Suman? Là est la question. Non, dans le fond, ils l'ont protégé. Il a été échangé. Ouais, je pense qu'il avait. Ouais, je pense qu'il avait été échangé. Changé, j'ai mis NHL. Merci. Les menus de EA sont un peu lents. Un peu lents. Au moins la simulation est plus rapide. Fait qu'un mois ne prend plus 5 minutes. Ça n'en prend seulement que 2. Bon, contre Colorado, une victoire en prolongation, une défaite en tir de barrage. Donc on échange avec Colorado. Arizona, une victoire, une victoire contre les Golden Knights. Donc 3-1-1. Et voilà la transaction que je pensais qu'elle arriverait. Non, j'ai pas besoin de défenseur, clairement pas. Clairement pas. Fait que refus puis modifier la liste des chances parce que c'est pas vrai que tu vas me faire chier longtemps de même. Toujours garder. Beleski, clairement que tu peux échanger. Je peux l'échanger s'il arrive quoi que ce soit. Qui donc que je pourrais changer? Tout un peu de potentiel, on va essayer de t'échanger. Surplus attaquant. Oui. Besoin défenseur. Pas vraiment. Pas vraiment besoin de défenseur, plus besoin d'un joueur de deuxième trio. Fait qu'on va mettre ça. Deuxième trio. Ouais, ça je veux. Ça que j'ai besoin. Un attaquant de deuxième trio. Fait que si vous avez des échanges à me proposer. Hey! Je suis là, je vais écouter. Je viens de jeter un œil au petit jeune du repêchage. Ça a l'air tout d'être d'un bon cru. Pas vraiment. C'est pas le meilleur repêchage. Dans le jeu, là, ça devient quand même foufou, rendu des années plus tard. Puis on commence très très bien la saison. 5-2-1, là je dis ça, on vient de perdre 6-3. Regardez bien ça, une autre défaite. Je parle trop vite. Fait que. Ok. C'est vraiment nécessaire de me proposer cet échange-là. Il joue tout en bas lui? Hickman. Ça me tente pas de changer de trio. Fait qu'il m'a refusé. Fait que on a deux défaites de suite depuis que j'ai dit qu'on commençait bien la saison. Pourquoi pas? Faut que je rouvre ma grande gueule. On va aller faire un petit tour aux States parce qu'on est quand même de Boston. Boston, ça, drafter des fois des. Je viens d'aller chercher. Mon joueur. P.O. Parento, c'est mon joueur. Et voilà. Donc 6-3-1. Ouais, fait que Boston aime ça des fois aller repêcher dans les universités américaines. Fait qu'on va essayer de faire ça comme ça. Nous autres aussi. Une bonne petite gorgée d'eau. J'en ai quasiment plus. Faudra peut-être que je vais me chercher une bouteille d'eau dans mon petit frigidaire. Fait que. Si, bol. Moi qui pensais que le deuxième trio ça allait pas fonctionner. Clairement le contraire qui arrive présentement.
Krejci a 10 points. DeBrusk a 9 points. C'est le premier tri. Pastrnak, par exemple, c'est dommage décevant. What? T'as le même nombre de points que Ryan White, puis Ryan Nash, puis Parento. The fuck? T'es supposé. Je pense que c'est. Sérieusement, ça doit être le truc fabricant de jeu. Mais allez faire de quoi, là? Puis. J'espère que. Je sais pas que ça joue une influence. J'imagine. Parce que sinon, ça serait quand même ridicule et stupide. Mais je vais aller changer son rôle. On va faire ça tout de suite. Parce que c'est pas cheaté. C'est dans le jeu. Fait que non, t'es pas un fabricant de jeu, Pastrnak. T'es un tireur d'élite. Pourtant, dans les autres séries. Ben, pas séries, mais. Dans les autres modes GM que j'ai fait, ils simulaient bien. Fait que franc tireur. Non. Je veux sauvegarder ça. Fait qu'on va essayer ça comme ça. Honnêtement, je pense que ça va aider. Je pense que ça a de l'influence. De mémoire, là. Puis même là, Bergeron, tu pourrais. Bon, ça vaut. J'avoue que c'est un attaquant polyvalent parce que c'est un très bon joueur défensif. Bergie. Fait que c'est quand même très décevant du côté de Pastrnak. Mais du bon côté des choses, notre équipe va bien. Krejci 10 points, c'est surprenant. On se le cachera pas. Par la suite, DeBrusk, très surprenant. 7 buts, 2 passes. Wow. Beleski, je voulais t'échanger, mais là, tu me laisses quasiment pas le choix de te garder. Bergie, Marchand, ces deux-là fonctionnent. C'est ici que Pastrnak, ça va un peu moins bien. Je me demande pourquoi. Mais bon. Sinon, y a-tu des déceptions? Pas vraiment. Ça. Que des surprises, selon moi, que des surprises. Gardien de but. Respectable. Le deuxième gardien de but, il faudra peut-être. Qui domine, j'avoue que deuxième gardien de but, c'est peut-être pas la meilleure chose au monde. Peut-être pas. On va le voir dans la ligue, même si c'est juste un mois, ça veut peut-être rien dire. Ah, boire! Jesus! Ça se passe à Buffalo. 23 points! Jesus, t'as-tu vu ça l'année passée? 2,45. Damn! La première fois que je vois Kyle Okposo, premier pointeur dans la Ligue nationale, pis d'aplomb, là. D'aplomb, Schwartz, il suit, mais. C'est clairement. Intéressant présentement, Stachny. Si, bol. Ok, on a Ovechkin, mais Crosby. Je suis sûr qu'ils vont remonter, là, mais. Il n'y a pas de Crosby. Ok. Ouais, c'est juste un mois. Ça va changer. Ça va changer. Je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr de ça. Fait que, d'après moi, je peux continuer à simuler. Ça va bien à date. La seule affaire que j'aime un peu moins, c'est Pastrnak. Mais en changeant son rôle, peut-être que ça va influencer les choses. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Donc, par la suite. Le mois de novembre, on commence par les Golden Knights. Et voilà notre première blessure. Donc, jusqu'au 13 janvier. Ouh, c'est quand même un petit bout, ça. On perd quand même un bon défenseur, comme dans la vraie vie. McQuaid qui tombe au combat. Donc, on a besoin de monter quelqu'un. Composition. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un à monter? C'est ça la question que je me pose. Voilà. On va monter Tipol Posma. Tipol, il va jouer. Modifier ligne. Oh, faut tout changer en bas aussi, Ligue américaine. Oh, tente pas. Tente clairement pas, mais faut que les jeunes jouent, puis. Ouais. Faut que je le fasse. Pas le choix. Paul Posma va jouer là. Carlo va avoir un peu plus de temps de jeu grâce à la blessure, donc il va essayer d'en profiter. C'est peut-être juste un désavantage numérique. Ouais, c'est ça que je pensais. Carlo va jouer. Comme ça, ouais. Comme ça. C'est quand même un défenseur pur. Là, Carlo, fait qu'il est capable de faire de la bonne job défensivement. Zboré va avoir du temps de jeu. Tout va monter là.
Puis, regarde, tout va jouer. Cool. Tout le monde est correct. Sérieux. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il attaque up. Bonus. Ok. Tout va jouer. Ouais, ouais, ouais. T'es que tu comptes en tir de barrage. T'es en tir de barrage pour une raison que j'ignore. Ouais, tout va jouer. Hey, tu vas t'en rendre notre joueur numéro 1 en shootout. Fait qu'on commence avec une victoire contre les Golden Knights. Par la suite, une autre victoire contre les Capitals. Puis pourquoi vous voulez Parento? Ok. C'est drôle, c'est genre l'intérêt numéro 1 de la ligue présentement. C'est PA Parento, tout le monde le veut. Et là, on a deux défaites de suite. Puis après ça, on échange de victoires et de défaites contre Tampa Bay. On gagne contre les Ducks, on perd contre les Kings. On gagne contre les Sharks. Fait que c'est un peu. On gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Par la suite, c'est long contre les Devils. Parce qu'on a une blessure, évidemment. Un autre défenseur. Finalement, j'avais peut-être dû prendre un nouveau défenseur. Oh. Là, c'est vrai que ça se complique un peu. Quand je dis un peu, c'est pas mal. Parce que c'est qui notre autre remplaçant défenseur? Qui est le prochain sur la ligne? C'est Cross, qui est 72 de général. Tommy Cross, 28 ans. As-tu déjà joué dans la Ligue nationale? Oui, 3 games. 1 point en 3 games. Oh boy. Regarde, pour le moment, j'ai pas joué. Blablabla. C'est quoi les chances que les deux seuls joueurs qui se blessent, c'est des défenseurs? Honnêtement, c'est quoi les chances? Bon, défensivement, bon. Ça sera pas fameux. Cette paire-là. Si tu veux battre notre équipe, envoie ta première ligue dans ces deux-là. Tu vas faire des points. Ça, je te le jure. Là, c'est la ligue américaine, encore une fois, qui va me compliquer un peu la tâche. Là, aux autres, tu vas aller là. Puis, qui tu veux? Toi, tu vas jouer. Eric Johansson. Ah, Emile, j'étais proche. 21 ans. Bon, puis on a quand même gagné contre les Devils. Puis après ça, on perd contre les Penguins, évidemment. Et on va perdre contre les Oilers. Et voilà, il est de retour. Donc, Cross, tu as fait ta job. Mais au revoir. Au revoir. On le renvoie-tu en bas? Je pense qu'on va le garder en haut, au cas où on a une bourre blessure. Parce que ça me tente pas de tout recommencer. Le processus. Riley Nash. Bon, eux autres qui ont décidé de remplacer Rick Nash par Riley Nash, j'imagine. C'est pas le même joueur, Bo Big. Bon, Tampa Bay, on perd. Fait que c'est quoi, 3 défaites de suite, là? Ouh. Où est le problème? Pasternak, après un autre mois, as-tu un peu plus produit? Je l'espère. Pourtant, dans ma maison de simulation, il fonctionnait bien. Bon, Marchand a pris les rangs pour le premier pointeur de notre équipe. Ça veut dire que Bergeron va le suivre. Ah non, Krug, ok. Fait Krug, Bergeron, Pasternak augmenté. Bon, tant mieux. Le premier trio qui a produit un peu plus, c'est là le deuxième trio qui s'est calmé. Seulement 4 points durant le mois de novembre pour David Krejci. Spooner qui joue sur le deuxième trio, fait qu'il produit. Tu sais, ça produit pareil. Pas été leur meilleur mois, mais ils produisent pareil. Clairement pas le meilleur mois pour DeBrus. Seulement un but en 13 parties durant le mois de novembre, donc ça s'est replacé comme je l'imaginais. Parento est rendu à 5 points. Charlie McAvoy, j'aimerais que tu produises un peu plus, un petit peu plus, parce que avec Chara, j'ai besoin que tu produises un peu plus. Puis les pointeurs se sont calmés aussi. Okposo n'est plus parmi les premiers, il y en avait 23 dans le premier mois et il y en a, à moins que je l'aie passé, puis je... C'est sûr que je l'ai passé. Ah, il est là. Je pensais qu'il y avait genre aucun point durant le mois, mais bon. Quand même 30 points pour Okposo, ce qui est bon. Pour ce qui est. Schwartz, même chose. Quand même surprenant, ces deux-là, parmi les meilleurs pointeurs. Schwartz, Tarasenko pour les deux. Okposo, Eichel. Ou Eichel, Okposo pour les deux. Je sais plus, de ce côté-là. Malgré Stamkos, Barkov, Radu. Produit pas autant dans la vraie vie, malheureusement. Ovi, Thais, bon, toutes ces bons petits joueurs-là qu'on aimerait avoir. Je suis un peu déçu de Pasternak encore. Un peu. Mais je pense qu'on peut simuler le prochain mois pareil.
C'est une bonne fiche, une fiche que tu t'attendrais avec les Bruins. Mais ça veut pas dire que je ne veux pas m'améliorer. Je parle en faisant des échanges. J'essaie de penser qu'est-ce qu'on pourrait. Un méchant mois de décembre. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, 13. 14. 14 matchs au mois de décembre. Puis ça, c'est en plus de ça, il y a un congé des fêtes. Fait que c'est quand même fou. Fait qu'un gros mois, les boys. Je m'attends à des victoires. Et voilà, contre Philadelphie. Puis après ça, on perd contre les Prédateurs. Arizona, on a perdu contre. Arizona, non. Non, ça se peut pas. Oh, trois défaites de suite. Ok. Ok. Ça allait bien. Ça allait bien. Défenseur. On n'a pas besoin de tant de défenseurs que ce soit. Bon. On va aller dans. QJMHL. Qu'est-ce que je viens de dire là? Quatrième défaite. De suite. Cinquième de. Ok, time out. Oh, puis. C'est beau. Charles McAvoy vient de se blesser en plus. Let's go. Yay. Passe-moi, t'es rendu sa deuxième paire. Et cross. Et le retour. Ouais. Mais là, un petit time out. Bon, on a gagné, mais je suis vraiment, mais vraiment pas satisfait du rendement de l'équipe. C'est sûr que je peux améliorer ça. Retournez voir les transactions, qu'est-ce que je peux faire. Ça va vite, ça va vite. 30 points pour Marchand en 30 matchs. Ça, c'est correct. Ça, j'aime ça voir ça. C'est plus. Évidemment, McAvoy, il faut qu'il se blesse. Évidemment, c'est juste mes défenseurs. Il n'y a pas un attaquant, ça, il tente de se blesser à la place. Hein? Non? Bon. Toi, t'es rendu à combien de points, là? 20 points. Pas le meilleur. Pas le meilleur. Mais là, moi, c'est. C'est qui que je voulais checker? Beleski. Le pire, c'est qu'il est pas tant atroce que ça. C'est juste que je sais qu'on est capable d'avoir meilleur que ça. C'est ça le patente. C'est ça le patente. Marché joueur. Ça n'a pas changé. C'est tous les mêmes joueurs. Les autres, ils ont racheté Verana. Peut-être qu'ils vont peut-être avoir des nouveaux joueurs sur le marché. Ça pourrait être intéressant, toi. Kasperi Kapanen. Ça pourrait être intéressant d'aller voir de ce côté-là. Parce que sa valeur n'est pas élevée. Il veut s'en débarrasser. Puis ça coûterait pas tant cher que ça, j'imagine. Qu'est-ce que ça me coûterait? Ça me coûterait peut-être toi. J'en ai rien à battre. Puis un choix. Troisième. Ils veulent. Honnêtement, ça vaut-tu la peine? L'affaire, c'est que dans ce jeu-là, le repêchage est fou. Des fois, tu peux trouver des affaires super en troisième ronde. Fait que c'est de risquer un choix qui pourrait peut-être nous donner meilleur que Kapanen ou d'y aller avec Kapanen de suite en pensant qu'il va se développer. Parce qu'il est bas, il a 21 ans. Fait qu'il peut encore se développer. Mais c'est le bas qui me fait un peu peur. Regardez. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, je vais essayer de mettre quelque chose d'autre. Un 4 l'année prochaine. Un 3, un 4. Toi, pour Kapanen. Je suis sûr que je vais le regretter. Mais regardez, des fois, il faut prendre des risques. En tant que directeur général des Bruins de Boston, j'ai pris ce risque. On va voir si ça va profiter. Lorsque ça va finir de loader. Fait que là, Kapanen, on va le mettre dans notre roster en bas. On va le mettre sur le premier trio. Dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que j'ai fait? En faisant meilleure ligne, ils me disent de faire ça. J'ai accroché meilleure ligne. Fait que. En même temps, je peux checker qu'est-ce qu'il m'offre comme possibilité. Oh no!
Non, 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 non. Pourquoi Debrusque il joue pas? C'est. Non. No. No way. No way. No way. Pardon sur le deuxième trio, je pourrais le voir, mais. Il l'a pas mérité, je trouve. Ah, il va falloir tout que je rechange. Non, non, non. J'ai pas checké mon avantage numérique et tout ça. Faut dire que Makava est pas là, mais. Qui pourrait aller jouer, genre. J'imagine que DeBrusque qui pourrait avoir un peu de temps sur Powerplay, ça pourrait l'aider à se développer. Bon. Puis j'ai oublié de faire ce que je voulais faire. Cool, Joe! Bravo! Bravo! Puis là, ça va prendre du temps à loader juste pour me faire chier. Aïe 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 aïe, il y a quand même 1h15 du matin! Cool! 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 Fait que McQuaid, c'est 15 janvier, hein? Fait que le mois prochain, pis toi, je sais pas, j'ai pas checké. Y'a-tu une manière de le voir à partir de ce menu-là? Non. No. Fait qu'on va envoyer en bas Kapanen. Oui, je t'envoie en bas. Je sais que tu passes pas au ballottage. Parce que t'es encore sur ton contrat recrue. Bon, ça c'est fait. Mouvement affectif, quand ça va vouloir avoir fini de loader. La simulation est plus rapide, mais le reste ne l'est fuck all. On va aller faire modifier ligne en bas. Puis on va voir où est-ce qu'on va placer Kapanen. Selon moi, sur le premier trio, ça ferait du sens. C'est logique. Mais ça, c'est plus lent que d'habitude. Quand tu veux. Quand tu veux. Let's go, yeah. Prendre une gorgée d'eau en attendant. Oh! Toi, salut là. Dites bonjour à votre coéquipier Kasperi Kapanen qui va jouer sur le premier trio. Donc, c'est de même. Ça va l'aider à se développer. Puis j'aurais pu changer sur le powerplay et tout ça, mais là, fuck off. C'est long. C'est long, c'est long. Puis anyway, je pense que je vais mettre fin à l'émission. On a quand même simulé 2 mois. Ça fait quand même 27 minutes que j'enregistre. Fait que je sais que ça va être une émission quand même longue. Fait que si vous avez aimé, n'oubliez pas, petit bouton j'aime. Regardez, 35 secondes. Ça va être fait. Ça va nous aider. Ça va m'aider à avoir de la motivation pour faire cette petite série-là. Je fais ça juste pour le fun, un divertissement. Mais avec le petit bouton j'aime, ça peut juste être plus motivant. Puis je viens de voir qu'on est dernier dans Division Atlantique. Ouch! C'est une division très compétitive parce que on a 7 points d'écart avec la première ligne, première équipe. Ah, ok, ouais, tu viens de changer pour une raison que j'ignore. Ouais, on est 7 points derrière. Quand tu veux, change. Ah ouais, go! Faut qu'il arrive de quoi? J'ai pesé sur start. Ça fait genre quoi, 5 secondes là? Plus que 5 secondes. 5 secondes. Eh oh! Regardez en haut à gauche, c'est marqué, il y a clairement le logo de la ligne installée. Merci! Ça a pris au moins 15 secondes avant que le jeu fasse. Hein! Fuck! Il a changé. Changé de menu complètement. J'ai complètement raté ça. Oh, jeu de l'année. Fait que moi, 7 points d'écart avec la première équipe qui est les Sabres de Buffalo. Puis sinon, ça suit, là. 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 39. C'est compétitif. Fait que ça va être serré jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Si vous avez hâte. N'oubliez pas de passer ce petit bouton j'aime, abonnez-vous pour savoir quand est-ce qu'on envoie des vidéos sur YouTube. Puis pour moi c'est tout. Fait que bonne fin de soirée là.